Salut les loulous, c'est tonton Tomik. Et je vais vous donner 1000 devinez sur quoi je vais jouer. Et oui, Call of Duty Ghost. J'avoue que je n'y joue que maintenant, mais bon, c'était pas ma priorité. J'ai toujours bien aimé les Call of, mais là, bah celui-là, je l'ai pas fait. Donc, eh ben, on va se lancer. Nouvelle partie. Continuer. Seconde classe, ouais. Allez, on va stage le pépère. C'était une époque différente, un autre ennemi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés pour faire face à plus de 500 ennemis. Leur objectif, forcer l'ennemi à se retirer d'un hôpital public et protéger tous ses occupants. Pendant 3 jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemies étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Il ne tiendrait pas une nuit de plus, et l'ennemi le savait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le front et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si ils avaient été bénis. Sacrée bénédiction. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient tels des chasseurs invisibles, si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Quand le sable et la poussière retombèrent, un seul ennemi avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but. Traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'il ne pouvait qualifier que de surnaturelle. Il les appela Ghost. C'est nous. Bon, alors. Allons-y. Et c'est vraiment arrivé? Selon la légende. Allez, papa, tu crois pas à ces histoires, si? Ouais, j'y crois. Allez, retournons à la maison. On y va. On bouge. Alors, c'est moi qui bouge pour les suivre? Ouais, c'est cool. Nickel. Ah, j'avoue, c'est propre. Hein. Ouh, ça a vibré. C'est le genre de choses qui fichait une peur bleue à votre mère. Alors, on admire les décors. Encore une? Bucolique, mais en même temps, voilà ce qui me rassure pas trop. Et puis ça finira par se calmer. C'est les vibrations, là. Le vent commence à se lever. Ça bouge Papa. Beaucoup. On rentre. Faut s'assurer que rien n'a été endommagé. C'est ça. Pour courir, bah appuyer sur le joystick, ouais. Et pour sauter, c'est A. Ok. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça a pété en fait, c'est pas de. C'est l'Odin. À la maison, le garçon, vite! C'est quoi, c'est le volcan? Non, c'est un volcan. Waouh, c'est terrible. C'est pas un séisme. De quoi est-ce que tu parles? Rentrez à la maison et restez-y. Je prends le pick-up. Et papa, oh putain, ça pète de partout. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je te suis, hein. Je suis là. Oh, yo, 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 yo. C'est un volcan ou c'est une méga bombe? Qu'est-ce que c'est? Mais tu crois parler, papa? C'est quoi l'Oda? Allez! Très Dieu! Je vois plus rien. Flash. Contrôle de réussite du tir de l'arme orbitale. On est des rapides. Bien reçu, spécialiste Mosley. On suit le signal de tir de cette arme. Excellent. Baker, voilà notre taxi. On y va. Payload, ici contrôle d'un. Envoyez vos données.
Contrôle Odin, nous allons débriefer le nouvel équipage. Appuyez sur RB pour monter. Oh là là, je me balade dans l'espace. C'est trippant, les gars. Ah, j'avoue. Oh, cette ambiance de ouf. Ouais, ça déchire. Bon, alors je te suis, hein, ma poule. Le SAS-C est prêt pour leur arrivée. Accrochage. Manœuvre en cours. Rapprochement. Bien reçu, payload. Pressurisation du SAS. Allez. J'ai vraiment hâte de rentrer. Ça fait quoi, 3 mois? Payload, vous êtes arrivé. Et vous êtes à l'arrêt. Bien piloté. Hop là, pardon, je te laisse passer, ma poule. C'est trop fort. Hey Baker, tu me donnes un coup de main pour décharger ? Oi, 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 oi. Vous êtes qui, vous ? Je te suis, hein. Moi, j'avoue, là. Je découvre en même temps que vous, les mecs. Alors. Est-ce que je peux le prendre? Ouais. Ah, j'ai plus de tir avec, en fait, même quand il me contrôle. Ah, d'accord. Ah, mince, fallait que j'oriente et que je tire sur le mec. Bon, ben, première mort. C'est parti. Bim! Pas faire chier. Je te suis, ma belle, je te suis. Je peux tirer dessus. Quoi? Module de tir 1 en émission. Ciblage. Je peux recharger dans l'espace, tout va bien. Là, les gars. Attends, les X pour. Ok. Yes. Ah, la musique, elle est bonne. Solution de ciblage. Chargement des projectiles. Victime estimée. Oh non, Lodin, tirez. Ils indiquent de nouvelles cibles au module de tir 2, 3 et 4. Houston, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on a un problème. On n'a pas le choix. On va détruire la station. Je suis et désolé, Mosley. Merci, Houston. Baker, il faut y aller. Dans 10 secondes, que l'équipage rejoigne une zone sécurisée. Follow. Ben Dieu, on fait quoi? Ok. Ok. Ouais. Pour combien de temps? Bien sûr, Mosley. La visée des modules de tir 3 et 4 de l'Odin a été interrompue. Et c'est un mec à buter, non? Poursuit sa séquence. Allez hop, tiens. Cible verrouillée. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington. C'est pas fini, Baker. Allons jusqu'à l'Odin et détruisons-le. Je crois qu'on... Je te suis toujours. Atlas, de combien faut-il modifier son axe pour le déstabiliser? 23 degrés vers la gauche ou l'arrière. Mais le système de micro-propulseur ne répond pas. 23 degrés. On va l'envoyer au fond de l'océan. Ok. Alors, on va où? On passe par là. On va aller dessus ou pas? Ouais, ça y ressemble. Aide-moi à ouvrir ça. Ok, je maintiens, X. Ok, protection en vie, Houston. Mets le feu au
carburant. T'as entendu, Baker? Tire! Voilà, allez, accroche-toi à moi. Et là, on fait quoi? 23 degrés. On attend que ça pète. C'est bon, ça suffit pour le faire tomber dans l'atmosphère. Oh, toi, t'as pas survécu, ma belle. Spécialiste Bosley, Kira, on a perdu le contact avec l'équipage de contrôle Odin. Je répète, désolé. Contact avec contrôle Odin. Désolé, ma belle. Et là, on s'enflamme. Ah bah, je vais pas survivre, là, je crois, non? Je pense, hein. Bah ouais, c'est pas bon d'être un caillou qui tombe, là, comme ça, là, dans l'atmosphère, je pense. Allumez le feu. Et donc, on revient 15 minutes plus tard. Wow. C'est n'importe quoi, le coin. Oh putain, c'était short. Si tu le dis, ma poule. Allez, allez, allez. Oh, le bordel. Eh bah, vas-y. Ouch. Je suis où, là? Oh, il fait du style. Mais je l'ai pas fait, moi. Il est plus souple que moi, ma poule. Ouais, je te suis, je te suis, je te suis. Allez. Toujours, toujours, hein, encore. Oh, ah, quel bordel. C'est pas n'importe quoi. Oh, oh, oh. Oh, oui, bah oui, le camion, oui. Je saute pourtant là. J'ai essayé de me barrer. Non, j'ai pas pu. Ça va, je suis toujours en vie. Oh la vache! Ah, mais ils y vont pas avec le dos de la petite cuillère, hein. Et donc, c'est une arme ou alors c'est un volcan? Parce que franchement, ça semblait vraiment à un gros séisme volcanique. Sans blague. Tu vas t'en tirer, mon garçon. Bah, j'ai juste pris un camion citerne dans la face, mais ça va, je... Accrochez-vous, les garçons. Je vais gérer. Ah ouais, non, on est littéralement attaqué, il y a des missiles qui se pointent. Et ça a l'air de venir de l'espace. C'est une foutue station. Ah, ce serait la station qui est en train de péter et qui tombe. Et mais oui, je suis bête, c'est ça. À tous les coups. Ça fait des années que la Fédération monte en puissance. Allez, bah, allez-y. Quand les déserts producteurs d'énergie sont partis en fumée, les puissances mondiales qui en dépendaient se sont effondrées. Dans leur chute, la Fédération a pris son essor. La Fédération a uni toute l'Amérique du Sud sous une seule bannière. Elle a tout englouti sur son passage, à mesure qu'elle avançait vers le nord. Après avoir retourné l'Odin contre nous, la Fédération s'est retrouvée aux portes de l'Amérique. Ils pensaient que nous étions faibles et que nous ferions une proie facile. Nous avons lutté avec ardeur et conduit l'ennemi dans une impasse. Et ici, derrière les cratères du... Il y a un trou. Nous livrons une guerre défensive contre un ennemi à la puissance supérieure. Ben, j'avoue, ouais. Il y a de la puissance de feu. 10 ans plus tard, il nous balade. Reçu, on est là. Allez-y. Les renforts sont arrivés. Salah s'est tombé dans la nuit. Le QG veut un nouveau balayage du mur au plus vite. C'est un peu noir. Merde. Des survivants? Négatif. Un nouveau monde.
Salut du chien. Pas réveillé, désolé. T'avais besoin de dormir. Chut, mon beau. Écoute. Oh, qu'on est la résistance. C'est hier soir. On dos, on y va. Équipe 2, vous êtes près de notre position. Ok, ça c'est pour donner un coup. Négatif, on est dehors. Vous avez trouvé quelque chose? Riley, oui. On est en train de vérifier. Ah, accroupi, c'est ça. Et on peut se coucher aussi. Ah, c'est cool. Je retrouve mes manips de Call of Duty 4. Ah oui, ça remonte, moi, les derniers. J'avais trouvé ma poule. C'est bon. Je suis avec un fusil de snipe. Ouais, semi-snipe. Hein. Vite fait, le snipe. En tout cas, j'avoue, pour l'instant, je suis heureusement surpris. Après avoir joué aussi à Battlefield 4. J'avoue que je m'attendais à un jeu un peu moins beau graphiquement, ils avaient dit, mais... C'est bon, rejoins-moi. Après, c'est l'histoire là qui me... Je suis tout de suite beaucoup plus dedans. C'est clair, avec le début d'enfer là dans l'espace. Ah, oh, j'ai kiffé. Un grand moment. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. C'est tout prêt. C'était une sacrée entrée en matière, ouais, j'avoue. Alors, à côté de ça, le décor qui est en train de se péter partout là. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a du bruit, tu t'es arrêté. Oh, oh, d'accord. Faut croire que Riley avait faim. Tu dois rien manger ici, mon beau. On va rentrer et te trouver de la vraie nourriture. Ok. Ah, on se croirait dans Legend. Des animaux. Pas dans Legend, mais les... je suis une légende, pardon. Avec Will Smith. Excellent film. On est en train de sortir. Post-apocalyptique que j'ai adoré. Chopez-le en DVD, en plus vous aurez la fin voilà. Alternative. En sale état, mais toujours debout. Et vraiment, hey, décor là, on est dedans. Secteur sécurisé ? Presque. Il nous reste à quadriller ce côté du mur. On prend côté gauche, ça devrait aller vite. Ah, rendez-vous à la station service. À vos ordres. D'accord. Donc moi je te suis. Je te suis, ma poule. On va faire ça. Oh, hop, 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 hop. Allez, allez, cherche. C'était quoi ça? T'as entendu? Il y a quelqu'un. Attends, Riley. S'il attaque la cible, tire pour tuer. Fais sans équipe. Go! Hop, 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 je t'ai vu. Riley, stop! Encore des fédérés. Ça en fait déjà 5 ce mois-ci. 2-1, on vient de rencontrer une autre unité de reconnaissance de la fédération. Rejoignez-nous à la vigie, on doit se regrouper. Non, mais j'aime bien mon arme, je crois que je vais la garder. Hein. Alors, tu es chiqué, mon pépère? T'avais les crocs? J'espère que tu t'es fait plaisir. Oh, c'est quoi ce bruit? Non, c'est des pattes. Putain de merde. Laissez-le tranquille! Sous-pays, qu'elle atteint pas, c'est... Ils exécutent des civils! Allez, en avant! Riley, go! Oh, les fils de pute. Aïe! Ouh, aïe! Bien, mon chien. Ok, c'est sûr qu'ils en avaient encore. Hein. C'était pas du gâchis. Ah. Ah. Allumez-les par là. Allez, suis.
C'est un pote. Calme-toi. Les mecs, les copains, maintenez B en sprintant pour glisser. Pour glisser où? Oh, désolé. Ils sont souples les mecs. Voilà. Le gars qui arrive par un hélico. Il s'est barré. Et ça fait du monde hein. Ça fait du monde. Ok, c'est cool. Il va y avoir de l'action. Oh, plop. Ça, je m'en rappelle de ça. Je m'en rappelle. Ouais, ça va, ils ont gardé des trucs dans le temps, on va dire. Je t'ai plus, je l'ai pas eu. Hop là, toi c'est bon, je t'ai eu. Déchargé, ok, on y va. Oula. Hop. Tu me tires d'où, toi? Ah, tchè. On se cache un peu. On se remet à genoux. Ah, waouh. Hop. Faut que je me couche. Je sais pas trop qui c'est qui était en train de me tirer dessus, là. Sans blague, ça tire de partout, ouais. Hop. Grenade de merde. Ah, toi, je t'ai vu. Mais je t'ai pas eu. Je t'ai eu ou je t'ai pas eu? Je pense quand même. J'ai tiré sur la tête. Oh, je l'ai eu. Vraiment, sur un petit coin là. Hop là. Je t'ai eu ou je t'ai pas eu? Aïe, mais ils sont combien? Allez, sors de là. Ça va se calmer ou pas? Créer Dieu. Hop. Faut que je fasse gaffe à mes munitions quand même. On va peut-être prendre l'autre là. Allez, ça fait quoi ça là? Les mecs, on avance, on y croit. Ah, c'est puissant leur machin. Ça, c'était quoi? Ouah, c'est violent. J'avoue, je l'aime bien celui-là. Ah, on recharge. Ouah. Ah, dans le cul. Hop, je viens de te voir. Petit savoir. Bien planqué. Faut faire gaffe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai eu les deux. Ça serait bien. On avance les mecs. Ah, je les ai bien plombés les deux en fait, ouais, clair. On se met où? On fait quoi? Doudou, mon beau, doudou. Couchez, chien, couchez. Qu'est-ce que t'as vu? Ils arrivent de là? Des hélicos, c'est quoi ça? C'est gentil, c'est méchant.
j'ai une grosse télé, faut que j'en profite. Bordel. Ouh, pop, 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 pop. C'était quoi ce bordel? C'est les Ico là, qui vient de me dépouiller, quoi. Les missiles guidés, ils sont... Ah, ils sont là. Ah, mais pousse-toi, ce qui se passe quoi? Ah, putain, faut que je saute, je suis bête. Hop, hop, hop. Voilà. Raté. Merde, merde, merde. Où qu'il est, où qu'il est. Calme-toi, calme-toi. Hop, 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 j'aime pas quand il se met là. Oui, 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 oui. Le petit sagouin. Raté ? Ah, c'est raté. Il est chaud, l'hélico, il est chaud, l'hélico. Ouais, bien. Bien, bien, bien. Ouh, oui, vraiment, super bien. Ouais, ça a été violent. On va peut-être reprendre ça, ouais. Non, l'autre. C'est pas ça que je veux. Ah, ça, c'est quoi, ça? Ah bah c'est mon mien du début. Ouais ouais. On reste pas là. Y a rien. Ok, y a rien. Je grimpe derrière, c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça doit être ça. Ok les mecs, bah je me suis, hein. De toute façon je peux plus bouger alors. Donc là on est chez nous. Ouais, ça a l'air d'être des gentils. Bon, bah c'est bien ça. 20 minutes plus tard, Fort Santa Monica. Eh ben allons-y, allons à Santa Monica. Oui, triple le chien, il est bien là. Oula. Ça se balade dans le coin. Ouais, c'est nous qu'on demande. Il y a la zombie? Allez, on va retrouver le vieux. Oh, ça doit être un petit diminutif pour le pour, sympathique pour un copain. Le vieux. Allez, avance, bouge. Ouais, bon, on est équipé, hein. J'ai appris pour l'attaque. Vous allez bien? Toujours. Marchons un peu. Allez, vas-y. On te suit, le vieux. Papa, ils exécutaient des civils. Je sais. Leurs unités raflent des vagabonds et des pillards pour trouver un moyen d'entrer dans la ville. C'est comme ça qu'ils ont pris Dallas en une seule nuit. C'est propre quand même. Hein. C'est pas encore The Clack, mais écoutez, ça fait plaisir à voir, ouais. Vous êtes tout ce qui me reste dans ce monde. Papa, écoute. Mais vous êtes aussi les seuls en qui j'ai confiance. Eh ouais. Eh, écoute. Quoi que ce soit, Logan et moi, on est prêts. On va gérer. Vous allez tous les deux dans le No Man's Land. Quoi, vraiment? On est restés passifs bien trop longtemps. Alors je vous envoie tous les deux derrière le mur. Vous allez rejoindre une autre équipe pour rassembler des renseignements sur l'ennemi et après ça vous rappliquer en vitesse. Et où est-ce qu'on va dans le No Man's Land? Bonne question. Dans un endroit que vous connaissez mieux que personne. À la maison. Home sweet home! Eh ben voilà. On l'appelle le No Man's Land. Des terres dévastées s'étirent de Los Angeles à San Diego depuis le jour où l'Odin s'est retourné contre nous.
Les plages et les spots de surf de mon enfance sont maintenant des terrains minés, à l'abandon. Papa nous a dit que peu de soldats opéraient dans le No Man's Land. C'était trop dangereux, imprévisible. S'il nous a envoyés ici, ça doit être important pour lui. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est encore un test. Une leçon qu'il veut nous apprendre. Très bien les copains. Bon bah je crois que je vais faire une petite pause sur ce coup-là. Ah. Ok, je crois que c'est bon. Je ne laisse pas le temps. Balayage du secteur. Si je fais start. Ouais. Allez, à tout de suite.